Amis, frères et sœurs, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Bienvenue à toutes et à tous pour ce temps de culte. Bienvenue à celles et ceux qui nous regardent en France ou à l'étranger. C'est le temps de l'été et nous conservons la même liturgie pendant le mois de juillet et le mois d'août. Alors que ce culte soit un moment de paix et de ressourcement, de joie et de communion. Vous trouverez le déroulement de cette liturgie à l'intérieur du cantique qui s'appelle le psautier français. Nous suivrons toute cette liturgie, sauf tout ce qui concerne la Sainte Cène, puisque nous n'avons pas aujourd'hui le partage du pain et du vin. Et je vous invite à vous lever pour chanter le premier spontané après la salutation. Seigneur, tu es vie, tu nous donnes et tu nous conserves la vie. Nous te louons, tu es lumière, tu nous éclaires et nous réjouis par ta lumière. Nous te louons, tu es joie, tu nous donnes de partager ta joie. Nous te louons, tu es espoir, tu traces et prépares nos sentiers. Nous te louons, Seigneur, tu es amour, tu nous permets de vivre dans cet amour. Nous te louons. Et justement, je vous invite maintenant à poursuivre notre louange en prenant maintenant le psaume proposé dans le psautier français qui se situe au numéro 33, psaume 33. Et de ce psaume, nous chanterons les strophes 1, 2, 3 et 5. Thank you.
Écoutons maintenant ce que Dieu attend de nous. Voici le jeûne auquel je prends plaisir, dit le Seigneur. Brise les chaînes injustes. Dénoue les liens de tous les jougs. Renvoie libres tous ceux qu'on opprime. Mets fin à toute servitude. Partage ton pain avec celui qui a faim. Recueille dans ta maison les malheureux sans asile. Couvre ceux qui ont froid. Et ne te détourne pas de ceux qui sont ta propre chair. Alors, ta lumière se lèvera comme l'aurore. Tu appelleras et le Seigneur répondra. Tu crieras et il répondra : Me voici. Je vous invite à la prière. Nous confessons notre péché. De notre indifférence et de notre ingratitude en ton égard, comme de tout oubli de tes commandements, délivre-nous, Seigneur. De toute forme d'égoïsme et de tout manque de générosité envers notre prochain, comme de toute mauvaise humeur, délivre-nous, Seigneur. De toute lâcheté et de toute paresse dans nos communautés, comme de toute négligence dans notre travail, délivre-nous, Seigneur. De toute vanité et de tout orgueil de soi-même, comme de tout découragement, délivre-nous, Seigneur. Oui, Seigneur, pardonne-nous. Amen. Accueillir le pardon que Dieu nous donne, je vous invite à vous lever. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma miséricorde. Chantons à Dieu notre reconnaissance.
Restons debout pour confesser notre foi. Je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme pour que nous ayons pardon, joie et salut. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour nous donner victoire sur la mort et l'assurance de notre résurrection. Je crois qu'il reviendra dans la puissance et la gloire, comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, je crois en Dieu, notre Père, qui nous prend pour ses enfants et nous aime, comme il aime Jésus-Christ. Je crois en l'Esprit Saint, qui demeure en notre esprit et nous atteste que nous sommes les enfants de Dieu, qui guide l'Église par l'Évangile et nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Je crois l'Église du Christ, secrète et universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Je crois que tous les hommes sont liés à Jésus-Christ. Je crois que le royaume de Dieu et notre commune espérance. Amen. Sur la terre et d'éternité et en éternité. Prenez place. Et au moment où nous allons ouvrir la Bible pour y entendre la parole pour ce matin, eh bien, je vous invite encore à un instant de prière. Du fond du cœur, Seigneur, nous te remercions de nous réunir en ta présence. Nous te remercions de nous révéler ton amour, tout simplement. Alors, s'il te plaît, fais taire en nous toute autre voix que la tienne et ouvre par ton Saint-Esprit nos esprits et nos cœurs à ta vérité. Nous te le demandons, chacun à notre manière. Au nom de Jésus le Christ. Amen. Nous lirons dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 14, les versets 13 à 21. Ce récit prend place juste après que Jésus ait appris
la mort de Jean-Baptiste. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un endroit désert. L'ayant appris, la foule sortit des villes et le suivit à pied. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent : Cet endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit : Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent : Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Apportez-les-moi ici, leur dit Jésus. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous, éclaire-nous, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Amis, frères et sœurs, nous sommes invités à lire aujourd'hui dans cet évangile de Matthieu le récit appelé la multiplication des pains. Jésus monte dans une barque, seul se retire dans un lieu désert, après avoir appris l'annonce de l'exécution de Jean-Baptiste par Hérode. Et cette nouvelle atteint Jésus au plus profond de lui-même. La mort de Jean-Baptiste le touche, le déstabilise peut-être, et lui rappelle sa propre fragilité. Jésus s'éloigne des foules pour se mettre à distance et prendre du recul, peut-être pour conjurer la peur que fait naître en lui l'annonce de cette mort, et ainsi retrouver sa confiance initiale, celle qui le porte inlassablement et sans condition vers les autres. Il se met à l'écart, il part au désert pour faire taire en lui toute autre voix que celle de l'Éternel, son Dieu et son Père, pour faire silence en lui-même. Parce que le désert, c'est aussi en hébreu le lieu sans parole. Ce lieu désert ouvre ce récit de la multiplication des pains et rappelle le lieu désert du récit de la tentation au début de ce même évangile qui ouvre le ministère de Jésus
après son baptême, reçu justement des mains de Jean-Baptiste. Et comme à la tentation, Jésus est confronté à lui-même. Mais il ne reste pas seul très longtemps. Les foules le suivent, le rattrapent, et lorsque Jésus voit toutes ces personnes, il est ému de compassion, il est pris aux entrailles, nous dit le texte, il tressaille dans la partie la plus intime de son être. Mais il ne se dérobe pas à sa mission. Il se tourne à nouveau vers ses proches, ses prochains, il soigne, il relève, il guérit. Il met en acte ce qu'il enseigne. Si Jésus dit toujours ce qu'il fait, il fait aussi ce qu'il dit. Et cela a dû marquer les disciples, puis l'Église primitive, puisque ce récit est raconté 6 fois dans 4 évangiles, avec certaines nuances, 2 fois dans l'évangile de Matthieu, 2 fois dans l'évangile de Marc, 1 fois dans l'évangile de Luc, et une dernière fois dans l'évangile de Jean. Arrive le soir, les disciples suggèrent de renvoyer la foule chez elle afin qu'elle aille dans les villages s'acheter des vivres. Ces gens vont bien trouver de quoi se nourrir et aussi de quoi se reposer. En plus, ce serait vraiment raisonnable. Cette histoire commence plutôt par une constatation de bon sens. Il y a un temps pour tout. Un temps pour annoncer l'Évangile et faire des guérisons, et un temps pour se reposer et reprendre des forces. Les disciples de Jésus font preuve d'un sens pratique qui les honore et qui nous est familier. Mais voilà que Jésus ne l'entend pas de cette oreille. Là où l'on pourrait supposer que Jésus comprendrait et exaucerait le souhait de ses disciples, voilà qu'il leur propose tout autre chose, hors de toute logique, quelque chose qui les renvoie à un effort supplémentaire à faire. Donnez-leur vous-même à manger. Ils reçoivent la consigne de faire quelque chose qui dépasse leurs possibilités, car la réalité est plus importante qu'on ne pouvait l'imaginer. Comment faire ? Les disciples disent à Jésus, « Mais nous n'avons 5 pains et 2 poissons. » Comment se peut-il que cela suffise pour toute cette foule dont on apprendra à la fin de l'histoire qu'elle est au nombre de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants? Nous pouvons, à juste titre, être frappés par la disproportion des chiffres dans le texte. Et si nous lisions les 6 textes, les uns à la suite des autres, nous ne pourrions que constater immédiatement cette opposition constante entre la foule immense et le peu de moyens mis à disposition pour la nourrir. Mais comment faire quelque chose de valable avec ces moyens si modestes? Car quand même, c'est vrai, 5 pains et 2 poissons pour 5000 personnes, ça fait un peu juste. Une bouchée minuscule pour un ventre affamé. Mais un seul pain ne suffirait déjà pas à rassasier une seule personne. C'est vraiment trop peu par rapport au grand nombre. Et c'est maintenant que nous nous heurtons aux limites du texte. Parce que si nous nous arrêtons à la lettre du texte, nous n'irons pas très loin et nous passerons à côté de ce qu'il peut nous dire. Et comme le disait il y a quelques années, ici même, le professeur Élian Cuvillier, il disait, les Écritures sont là pour nous déplacer. Elles sont là pour nous faire bouger, nous faire quitter la rive de ce que nous croyons savoir, pour nous propulser au-delà du convenu et du connu. Et si nous prenons le temps de repérer tout le symbolisme que ce texte contient, en plus de la littéralité de l'Écriture, alors nous avons une chance que ce récit nous parle encore aujourd'hui et que finalement il nous encourage dans notre engagement en constituant pour nous un point de repère particulièrement fort. Le pain rappelle le fruit de la terre et du travail des êtres humains qui ont semé, moissonné, puis écrasé le blé pour en faire l'aliment de base. Une nourriture rudimentaire, certes, mais qui
est présente à tous les repas, dans toutes les maisons ou les tentes de l'époque, comme dans nos maisons aujourd'hui. Ce pain rappelle la fidélité de Dieu avec la manne donnée au peuple dans le désert après la sortie d'Égypte et qui attend l'entrée en terre promise. Ou encore la galette donnée à Élie dans sa caverne au moment de sa fuite loin de Jézabel. Ou encore, il fait penser au pain déjà multiplié au temps du prophète Élisée, ce prophète dans le royaume du Nord, 800 ans auparavant. Pour rappel, en effet, en pleine période de famine, un fidèle avait apporté en offrande le début de sa récolte, ce que l'on appelait l'offrande des prémices. Cette offrande présentait 20 pains d'orge. Et selon la loi du Lévitique, l'offrande des prémices était destinée à Élisée en tant que prophète et homme de Dieu. Mais celui-ci, vu les circonstances, décida tout de suite d'en faire profiter tout le monde au nombre de 100 personnes. Élisée dit à son serviteur, « Distribue-les aux gens et qu'ils mangent. » Mais le serviteur, lucide, répondit, « Mais comment pourrais-je en distribuer à 100 personnes ?» Et Élisée lui dit, « Distribue-les aux gens et qu'ils mangent. Ainsi parle le Seigneur, on mangera et il y aura des restes. » Alors le serviteur fit la distribution des pains. Tous mangèrent et il y eut des restes, selon la parole du Seigneur. Quant aux poissons, il rappelle que la pêche se fait tous les jours ou presque sur le lac de Tibériade et qu'il constitue l'autre élément important du repas. Les premiers disciples appelés à suivre Jésus sont des pêcheurs de ce lac. Et le poisson, c'est aussi le plus ancien symbole chrétien. Le poisson était présent dans le partage de la scène des premiers siècles. Le poisson se dit aussi ictus en grec. Et les initiales de ce mot donnent la plus vieille confession de foi chrétienne en condensé. Jésus, le Christ, Fils de Dieu, Sauveur. C'est aussi le symbole, le signe de reconnaissance des premières communautés chrétiennes, alors clandestines. 5 pains et 2 poissons. 5 pains. Ce chiffre 5 rappelle les 5 premiers livres de la Bible, la Torah. Ah, mais alors, si ce récit racontait autre chose qu'un pique-nique sur l'herbe, et si la véritable nourriture était cette parole qui sort de la bouche de Jésus, ces mots de réconfort, ces paroles de guérison, de résurrection, ces paroles de pardon, de reconnaissance, ces paroles d'amour, cette agapé, ces paroles de compassion, versées à profusion, redonnant un sens à la vie aux laissés pour compte, aux petits, aux assoiffés de justice, aux affamés de tendresse. Ces paroles qualifiées ailleurs par Pierre, paroles de vie éternelle. 2 poissons. Ce chiffre peut symboliser les 2 tables de la loi, peut-être. Ou peut-être aussi, pourquoi pas, les 2 alliances, la première et la seconde, qui se suivent et se complètent. Et aussi le sommaire de la loi, les 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras le prochain, ton prochain, comme toi-même. En tout cas, le pain et le poisson sont les 2 éléments à partager. Ils portent en eux à la fois le concret de la nourriture indispensable à la vie physiologique et le fondement spirituel qui régénère l'être intérieur. Mais les 2 sont à transmettre et à donner sans modération. La parole de Dieu transmise par les textes fondateurs de la Torah, ces 5 premiers livres de la Bible, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome, mais aussi le Code d'Alliance qui découle des 2 tables de la loi ou les 10 paroles,
qui non seulement sont données pour être reçues, mais aussi pour être interprétées, actualisées de génération en génération, afin que la parole de Dieu ne soit ni un récit caduc, ni une lettre morte, mais une parole qui donne la vie encore aujourd'hui. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, avait répondu Jésus au moment de son combat intérieur avec le diviseur, qui lui avait suggéré, par ailleurs, alors que Jésus avait jeûné 40 jours dans le désert, de transformer des pierres en pain. Et Jésus cite le livre de Deutéronome. Donnez-leur vous-même à manger. À la façon des 5 pains et des 2 poissons, vous avez reçu les 5 rouleaux de la Torah et les tables de la loi, et vous avez reçu vous aussi cette parole qui vous fait vivre. Alors maintenant, c'est à vous de la donner aux autres pour qu'ils puissent vivre aussi. Une parole qui libère et qui guérit. Une parole qui nourrit et qui restaure, qui remet debout et qui permet de reprendre le cours de la vie vers le meilleur de soi-même. Et Jésus fait asseoir la foule sur l'herbe, il prend les pains et les poissons, il rend grâce, il dit une prière de bénédiction, comme nous disons peut-être une prière avant notre repas, mais c'est le geste en fait de tout père de famille en Israël. Jésus dit une prière à Dieu, ce n'est pas un remerciement qui cacherait autre chose, comme par exemple une demande que soit donnée davantage. Ce n'est pas non plus un cri ou un appel au secours, une imploration pour opérer un miracle nécessaire à ce moment précis. Non, Jésus rend grâce pour ce qui est déjà là. 5 pains et 2 poissons, c'est ce qui est donné à partager. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est là. Mais si peu que ce soit, c'est l'essentiel pour maintenant. Et Jésus bénit, rompt les aliments, il les donne aux disciples pour qu'eux-mêmes les donnent à la foule. Et nous entendons en écho ces paroles déjà eucharistiques. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons. Il leva les yeux au ciel et prononça la bénédiction. Il rompit les pains et les donna aux disciples pour qu'ils les distribuent, et nous pourrions presque rajouter « Faites ceci en mémoire de moi ». Et pas un seul mot, pas une seule fois, le mot « multiplication » ou le mot « multiplier » n'est mentionné dans le texte. Au fond, nous prenons la scène ou l'Eucharistie sans avoir peur de manquer, et pourtant il y a peu de pain et peu de vin. Nous pouvons aussi partager notre pain quotidien sans avoir peur de manquer non plus. Mais surtout, nous pouvons partager les paroles et l'amour qui, un jour, nous ont remis debout d'une façon ou d'une autre. Ces paroles qui ont éclairé notre vie, qui ont élargi notre horizon, notre compréhension des choses et de la vie, qui nous ont sauvés de la culpabilité, qui ont permis un nouvel engagement, de nouveaux projets, de nouvelles orientations ou simplement d'assumer la réalité de notre existence. Alors, pourquoi garderions-nous pour nous ces paroles qui donnent la vie à profusion, tout comme le pain nourrit notre corps? Notre vocation est bel et bien de donner ce que nous avons reçu. Et d'ailleurs, un proverbe indien ne dit-il pas que tout ce qui n'est pas donné est perdu? Alors, le miracle s'accomplit. Mais le récit ne nous dit rien de plus, de détail de ce miracle, si ce n'est que tous mangèrent et eurent assez de nourriture. Le récit échappe à notre rationalité pour nous laisser libres de nous positionner, parce que la parole ne s'impose pas.
elle se propose à notre intelligence comme à notre cœur. Et c'est à chacun d'imaginer comment cela a pu se passer et de penser aux gestes de solidarité que ce partage initié par Jésus a suggéré. Alors, si cela nous fait vivre de croire que ce miracle a eu lieu, alors croyons-le de tout notre cœur. Si cela nous fait vivre aussi de trouver une autre explication ou de penser que c'est une allégorie, alors ne cessons pas de la chercher. Ce qui compte, c'est que nous soyons en mouvement et interpellés et libres d'interpréter. C'est ainsi que la parole nous rejoindra là où nous en sommes et qu'elle nous nourrira à la manière du pain et du poisson. Car la vie est là, dans la rencontre, dans la discussion, dans l'échange, dans le partage du pain, du poisson, comme de la parole. Le récit se termine par ces mots. On emporta 12 paniers des morceaux qui restaient. Ah, 12 paniers, 12 corbeilles, 12, encore un chiffre qui en rappelle d'autres, comme les 12 tribus d'Israël, mais aussi les 12 disciples de Jésus. Et on pourrait en trouver d'autres. Alors pourquoi pas ? 12 occasions de dire notre reconnaissance pour le partage, la prière, le chant, le sourire, même à travers les masques, la rencontre, le pique-nique sur l'herbe, l'évangile, le culte, la communion fraternelle et eucharistique, les projets d'église, sans jamais oublier les frères et les sœurs dans la foi et en humanité, sans qui rien ne serait possible. Amen. Au cantique numéro 177 que nous prendrons dans le recueil Louanges et prières, je vous invite à vous lever pour chanter les strophes de ce cantique 1, 2, 3 et 4. Amen.
Alors, bien. C'est donc le moment des annonces. Mais comme nous sommes au mois d'août, les annonces seront de courte durée, à savoir que nous nous retrouverons, si vous le désirez, le mercredi, une fois par semaine, entre 12h30 et 13h30, pour ce que nous avons appelé la pause spirituelle, et qui est en fait un petit partage d'un passage biblique sur le thème « Se relever des fléaux ». J'animerai donc ce partage biblique mercredi prochain et tous les autres mercredis jusqu'au 26 août, je crois. Quelque chose comme ça. Ça se passe ici même, dans ce temple, avec la distanciation physique nécessaire. C'est tout ? Je crois que c'est tout. Mais en tout cas, je suis de permanence tout le mois d'août. Si jamais vous aviez besoin ou envie simplement de parler, de boire un café avec le pasteur, c'est tout à fait possible. Il faut quand même m'appeler, parce qu'il faut quand même s'organiser pour l'emploi du temps, qui est, mine de rien, assez chargé. J'en profite pour vous dire qu'il y aura un culte de consolation demain à 11h dans ce temple pour la famille de M. Pierre Delmas, qui était une personne plutôt extérieure à la paroisse protestante. Et également, il y aura un service, mais un petit peu plus tard, à l'extérieur de notre église, dans une autre paroisse. Vendredi après-midi, j'assurerai un culte de consolation pour le décès d'un jeune homme, voilà, qui a disparu tragiquement pendant les vacances. Ça se passera à Vincennes. Voilà. Bon. Alors, c'est donc maintenant le moment de l'offrande. Oui ? Ah oui, d'accord, oui. Offrande pour l'entraide, mais oui, bien sûr. Non, mais vous avez tout à fait raison de me rappeler, parce que je reprends mon service aujourd'hui et bon, voilà. Donc, effectivement, l'offrande qui va être recueillie parmi vous va permettre simplement à l'entraide de notre Église de continuer sa mission, justement, à distribuer et peut-être, pourquoi pas, multiplier les pains et les poissons, sous quelque forme que ce soit, envers les plus démunis d'entre nous. Avant de nous unir dans la prière les uns pour les autres, je voudrais rappeler qu'à la fin du culte, nous sommes invités à sortir par les allées latérales et aussi que, si vous le souhaitez,
vous pouvez rester quelques instants pour écouter le dernier morceau d'orgue qui conclut le culte. Prions ensemble. Éternel Dieu d'amour, tu nous as appelés à l'unité pour que nous vivions cette unité dans l'harmonie. Pourtant, nous sommes divisés entre les religions, entre les riches et les pauvres. Délivre-nous de l'orgueil et de l'égoïsme. Et brise les barrières que nous avons élevées entre nous. Par la puissance de son esprit, donne-nous la guérison qui vient de toi. Fais-nous entendre et recevoir ta parole qui nous donne la vie. Nous te présentons tous ceux et toutes celles qui ont demandé le secours de notre prière. Nous te les nommons dans le profond de nos cœurs. Et nous rassemblons notre prière dans celle que Jésus-Christ nous a enseignée. Je vous invite à vous lever. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez maintenant la bénédiction de la part du Seigneur. Mon ami, mon frère, ma sœur, que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur porte sur toi son regard et te donne sa paix. Amen.